Et puis on va continuer à parler musique, car c'est le soir du grand concert pour nos musiciens amateurs et pour leur chef qui va diriger pour la première fois un tel orchestre, d'ailleurs au Kursaal de Besançon, après beaucoup de répétitions. C'est le dernier volet donc de notre feuilleton signé Laurent Ducrozet. Cette rencontre, ils l'ont préparée pendant des semaines. Ce soir-là, au Kursaal, solistes et musiciens de l'orchestre allaient enfin jouer Rachmaninov devant un public. Je crois que les gens, dans le milieu amateur, ont envie de donner le maximum d'eux-mêmes et de jouer avec le cœur pour les auditeurs, et pour eux-mêmes aussi, mais surtout pour les auditeurs, et de faire le mieux possible. D'autant plus que, aussi pour moi, c'est mon premier concert, c'est mon baptême du feu. La musique avance, le concerto avance et on essaye de suivre, d'être présent dedans, bien concentré, et de donner vraiment les moments musicaux tels qu'il faut les sortir. Pouvoir en faire profiter des gens qui rêvaient d'écouter ce type de musique-là et qui n'avaient encore jamais eu l'occasion d'écouter ce répertoire, c'est plutôt une chance. Je sais que le public est là et je sais que je joue pour le public. Mais dans ce moment, je me concentre que sur mon travail, sur l'orchestre, sur le chef d'orchestre, sur ça que je devrais donner, que je devrais transmettre. C'est un soulagement, c'est le travail accompli, vraiment je suis vraiment bien dans ma tête, je suis très heureux. Merci beaucoup. Voilà, on comprend que ce fut un grand moment pour ces musiciens amateurs et pour le chef Pascal Vima. Le 19-20 continue.